Les mecs, viens bien. Petite vidéo, les mecs, sur la présentation de mon équipe. Voilà, je vous montre ma nouvelle team. Voilà, il y a des changements vraiment. Vous êtes pas prêts, les mecs. Vous êtes pas prêts ce week-end. Le week-end qui va arriver là, vous êtes pas prêts, les mecs. Bon, on commence tout de suite, les mecs. On commence. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça fait déjà fait, tu vois. Ça fait plaisir, toujours. Ça fait plaisir. Bon, bref, allez, on commence, mec. Au goal, nous allons Boisman. Pourquoi j'ai Boisman? Parce que voilà, il coûte pas cher, il fait le taf. Moi, pour moi, si le gardien, ça veut rien dire. Et de j'ai pas assez pour acheter le meilleur dans tous les cas. En défenseur droit, et oui, Bender, le mec, Bender, rien à dire sur lui. Il fait son taf, il fait sa vie, il fait sa vie. Il fait ce qu'on lui demande, et puis voilà, il est ni trop fort ni trop nul, il fait l'affaire. Défenseur central, premier. Boateng, et oui, mec, Boateng, et oui, les mecs. Quoi dire sur Boateng? Ben rien à dire, c'est un craquito, c'est tout. À côté de lui, le Puyol, Carles Puyol, le mec. Puyol, franchement, je regrette un peu de le faire, mais il fait vraiment, il fait l'affaire, le mec, il fait vraiment l'affaire. À côté de lui, et oui, le mec, bah oui, vous vous en doutez, je pense. Adama Traoré, qui ne connaît pas Adama, qui ne connaît pas. Mossé, le premier Mossé, mais pas in game. Mossé, ah, bah non, pardon, CR7, et oui, le mec, et oui, les mecs, on a investi, on a payé, les mecs, CR7. Ah, les mecs, à voir, hein. Ensuite, Renato Chantege, Renato, un petit crack, le petit. Ensuite, Palacio, quoi dire sur lui? Le coup de cœur en Football's Day. Franchement, en Football's Day, c'est le carte que j'ai plus kiffé, voilà, que j'ai joué tout ça, genre. Ensuite, et oui, les mecs, le retour, l'unique, le meilleur milieu du jeu, Curtis Jones avec Renato au milieu. Oui, les mecs. Dybala, quoi dire sur lui? Ah, mais Dybala, le roi, le king. Et oui, Raoul, que j'ai packé dans le code Prime, ouais. Si vous avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, Raoul, en vrai, franchement, il est pas mal aussi. Voici ma team, les mecs. Voilà, il a la gueule, non? Je vous montre mes tactiques perso, les mecs, ou pas? Je vous le montre, hein. Let's go. Voici mes tactiques perso, les mecs. 4-2-2-2. Pression après une paire de balles, construction rapide. Voilà, les mecs. 5 d'urgence, 5 de profondeur. Dispositif, Ronaldo Raoul en pointe, Dybala Palacio sur le côté, Renato Giotto en milieu défensif, et la défense ne change pas. Voilà, le mec, franchement, c'est une équipe que j'ai pas encore test, mais il va vraiment être lourd, je pense, le mec, voilà. Au moins, l'aider, je mettrai Steraxial, et lui peut descendre un peu. Curtis peut monter, et Renato aussi peut monter. Moi, je peux monter mes deux milieux, le mec. Dybala, les trucs, je lui donne pas trop d'instructions. À part rester devant, ouais, rester devant. Ensuite, Bender et truc, il reste derrière. Et voilà, la team. Voilà. Peut-être que je vais changer Puyol par, je sais pas, un petit Zambrotta. Je sais pas, je verrai. Mon principal souci là, je pense que c'est Puyol. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me dire, change quoi et tout ça. N'hésitez pas, les mecs. N'hésitez pas à bombarder les commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, les mecs. Voilà, voici ma team, c'était ma team. Je sais pas, donnez-moi votre avis en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'est pas déjà fait. C'était Cémo, je vous dis à plus pour une autre vidéo. Ciao, ciao.